Pourquoi pleure pendant le funérailles de Jésus? Parce que
travail, sois reconnaissant. Quelqu'un t'a fait du bien, sois reconnaissant. Marie de Magdala se tenait près du tombeau de Jésus et elle pleurait. Pourquoi elle pleure? Quelles sont les raisons de ses pleurs? Il y a bien une raison. Hein? Il y a bien une raison. Parce que, écoutez-moi, on ne pleure pas devant n'importe qui. On ne pleure pas devant n'importe qui. C'est vrai, non? On ne peut pas pleurer devant n'importe qui. Si tu pleures devant quelqu'un, c'est que la personne qui est en face de toi est importante pour toi. À partir du verset 9, quelqu'un dit. Oui, quelqu'un pour nous aider dans la lecture, s'il vous plaît. Oui, vas-y, ma soeur, vas-y. Tu es pas la première. Vas-y. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Voilà la raison de sa pleure, de ses pleurs, mon frère. Voilà ton Marie de Magdala est reconnaissante. Elle pleure, tu peux t'asseoir. Elle pleure au tombeau de Jésus, parce que c'est Jésus qui a chassé ses démons. Je peux te poser une question? Un démon peut-il tuer quelqu'un? Un démon peut tuer? Est-ce qu'un démon peut tuer? Oui? Un démon peut? Deux démons, ils peuvent? Des démons peuvent? Donc s'il y a des démons dans la vie de Marie, elle pouvait mourir. Donc celui qui est venu sauver Marie de la mort est mort. Et Marie pleure au tombeau de son Seigneur. Tu vois, Marie pleure au tombeau de son médecin. Frère, si tu es un médecin traitant qui meurt, ça peut te faire mal. Hein? Hmm? Le médecin traitant de Marie est. Suivez bien. Le médecin qui traitait Marie là. Il est mort. Donc, Marie pleurait au tombeau de son médecin, de Jésus. Mais ce qu'elle avait oublié, c'est que Jésus, c'était le médecin éternel. Amen. La mort ne peut pas contenir un médecin éternel. Dis amen bien. Amen. Mais ce qui est bien dans l'affaire, c'est que c'est Marie de Magdala qui était possédée, qui avait les esprits, qui avait les démons, et que Jésus a délivré. Marie de Magdala a toujours respecté ses rendez-vous avec son Seigneur. À partir du verset 9, quelqu'un dit. Oui, quelqu'un pour nous aider dans la lecture, s'il vous plaît. Oui, vas-y, ma soeur, vas-y. Tu es pas la première. Vas-y. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Voilà la raison de sa pleure, de ses pleurs, mon frère. Voilà ton mari de Magdala est reconnaissante. Elle pleure, tu peux t'asseoir. Elle pleure au tombeau de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a chassé ses démons. Je peux te poser une question. Un démon peut-il tuer quelqu'un? Un démon peut tuer? Est-ce qu'un démon peut tuer? Oui? Un démon peut? Deux démons, ils peuvent? Des démons peuvent? Donc s'il y a des démons dans la vie de Marie, elle pouvait mourir. Donc celui qui est venu sauver Marie de la mort est mort. Et Marie pleure au tombeau de son Seigneur. Marie pleure au tombeau de son médecin.